For instructions on how to use this podcast and to access the transcript and English translation of this episode, go to www.frenchnaturally.wordpress.com. Bienvenue. Bonjour et bienvenue au balado Learn French Naturally, leçon 17. Today we will read a famous passage from the play No Exit by Jean-Paul Sartre. Aujourd'hui, on va lire un passage célèbre de la pièce de théâtre Huis clos, littéralement Closed Door en anglais, de Jean-Paul Sartre. Context. A man named Garcin finds himself in hell, which is actually just a drawing room with no exit in the French Second Empire style. He is facing the fireplace, which has a bronze ornament. Contexte. Un homme nommé Garcin se retrouve en enfer, qui n'est en fait qu'un salon sans issue de style Second Empire français. Il fait face à la cheminée sur laquelle il y a un ornement en bronze. I also wanted to say that this lesson ended up being a bit more difficult than planned, so I'd suggest following with the transcript and translation document if need be. Conversation simulée. In this simulated conversation, you are Garcin and you're speaking to the two women that are in hell with you. The bronze. Le bronze. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? The gold? L'or? Non, pas l'or, le bronze. Pardon, de quel alliage, en anglais alloy, parlez-vous? Du bronze. Je parle du bronze. Note linguistique. French typically uses more words than English. The words voici, here is, and voilà, there is, which do not have a direct equivalent, are ways for it to compensate. Here are some examples. Here I am. Me voici. There she is. Là, voilà. And there you have it. Et voilà. Ah, that's why. Ah, voilà pourquoi. Here is the moment. Voici le moment. Well then, now's the moment. Eh bien, voici le moment. Qu'est-ce que vous avez dit? Voici le moment. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voici le moment. Voici quoi? La cheminée? The fireplace? La cheminée? Non, le moment. Voici le moment. The bronze is there. Le bronze est là. Pardon? Qu'est-ce qui est là? Le bronze? Oui, le bronze. Le bronze est là. Le bronze est où? Ici? Here? Ici? Non, au contraire. Là. Le bronze est là.
le bronze est là et je le contemple. A. Vous contemplez le bronze? Oui, le bronze. Je le contemple. Pardon, vous faites quoi avec le bronze? Je le contemple. Contempler signifie observer. To contemplate means to observe. I understand that I'm in hell. Je comprends que je suis en enfer. Comment? Vous comprenez quoi? Que vous êtes en enfer? Oui, c'est exact. Je comprends que je suis en enfer. Quoi? Vous comprenez que vous êtes au paradis? Mais non, espèce d'imbécile. En enfer, je comprends que je suis en enfer, pas au paradis. Qu'est-ce que vous comprenez? Que je suis en enfer. Je comprends que je suis en enfer. I tell you that everything was planned. Je vous dis que tout était prévu. Vous dites que tout était prévu. C'est juste? Oui, c'est juste. Je vous dis que tout était prévu. Vous dites quoi? Que tout était prévu? Oui, c'est ça. Que tout était prévu. Je vous dis que tout était prévu. Pardon, que dites-vous? Que tout était prévu. Je vous dis que tout était prévu. A. Vous le chuchotez? You whisper it? Mais non, je vous le dis. Je vous dis que tout ça, c'était prévu. They anticipated that I'd be in front of the fireplace. Ils avaient prévu que je serais devant cette cheminée. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Que vous seriez devant cette cheminée? Oui, devant cette cheminée. Ils avaient prévu que je serais devant cette cheminée.
que vous seriez derrière cette cheminée? Derrière? Non. Au contraire, devant cette cheminée. Ils avaient prévu que je serais devant cette cheminée. Pardon? Ils avaient prévu quoi? Que je serais devant cette cheminée. Ils avaient prévu que je serais devant cette cheminée. And the fact that et le fait que vous seriez devant cette cheminée, est-ce qu'il l'avait prévu? Oui, il l'avait prévu. Ils avaient prévu que je serais devant cette cheminée with all these eyes on me, avec tous ces regards sur moi. Pardon? Tous ces regards sont sur qui? Moi. Tous ces regards sont sur moi. Et il l'avait prévu. Comment? Qu'est-ce qu'il y a sur toi? Le démon? Le démon? Non. Tous ces regards. Ils sont sur moi. Tous ces regards me mangent. Pardon? Que font tous ces regards? Ils vous mangent? Oui, il me mange. Autrement dit, il me consomme. Qu'est-ce qui vous mange? Tous ces regards. The eyes of the others. Les yeux des autres. Il me mange. Et qui est-ce que tous ces regards mangent? Vous? Oui, c'est exact. Moi. Il me mange. Ha! Hello, my two dear madames. Ah, bonjour, mes deux chères mesdames. Pardon, à qui dites-vous bonjour? À vous, mesdames, je vous dis bonjour. Ah, vous le dites aux chères Monsieur? Non, à vous, mes deux chères mesdames. Il n'y a pas de monsieur, sauf pour moi. Bonjour, mes deux chères mesdames. I thought there were a lot more of you. Je vous croyais beaucoup plus nombreuses.
Vous nous croyez beaucoup plus quoi? Nombreuses? Oui, c'est exact. Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Comment? Vous croyez quoi? Que nous étions beaucoup plus nombreuses? Oui, c'est exact. Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Vous croyez quoi exactement? Que vous étiez beaucoup plus nombreuses. Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors, c'est ça l'enfer. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est ça l'humanité? L'humanité? Non, l'enfer. C'est ça l'enfer. Quoi ça? Le paradis? Mais non, l'enfer. C'est ça l'enfer. I would never have believed it. Je ne l'aurais jamais cru. Vous ne l'auriez jamais cru, c'est exact? Oui, c'est exact. Je ne l'aurais jamais cru. Ah, vous l'auriez cru? Non, au contraire, je ne l'aurais jamais cru. You remember the brimstone, the stake, and the gridiron? Vous vous rappelez le soufre, le bûcher, le grill? Nous nous rappelons le soufre, le bûcher et quoi? Le grill? Oui, c'est ça, le grill. Vous vous rappelez. Le soufre, le bûcher, le grill. Nous nous rappelons le soufre et quoi d'autre? Le bûcher et le grill. Vous vous rappelez le soufre, le bûcher, le grill. Nous nous rappelons quoi? Le soufre, le bûcher et le grill. Vous vous rappelez le soufre, le bûcher et le grill. Ah, what a joke! Ah, quelle plaisanterie! Comment vous avez dit? Quelle plaisanterie? Oui, quelle plaisanterie! J'ai dit, quelle plaisanterie. Quelle quoi? Quelle plaisanterie. J'ai dit, quelle plaisanterie.
No need for the gridiron. Pas besoin de grill. Pas besoin de quoi? De grill. Pas besoin de grill. Et ce grill, est-ce qu'on en a besoin? Non, pas besoin de grill. Autrement dit, on n'en a pas besoin. Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. Comment? L'enfer, c'est quoi? Les autres. C'est les autres. Donc, logiquement, les autres, c'est le paradis? Non, au contraire, c'est l'enfer. L'enfer, c'est les autres. L'histoire complète. Le bronze. Eh bien, voici le moment. Le bronze est là. Je le contemple et je comprends que je suis en enfer. Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu que je serais devant cette cheminée, pressant ma main sur ce bronze, avec tous ces regards sur moi, tous ces regards qui me mangent. Ah! Bonjour, mes deux chères mesdames. Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors, c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez le soufre, le bûcher, le grill? Ah, quelle plaisanterie! Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. La même histoire, mais si deux personnes parlaient, et non seulement garçons. The same story, but if two people were speaking, and not just garçons. Le bronze. Eh bien, voici le moment. Le bronze est là. Nous le contemplons et nous comprenons que nous sommes en enfer. Nous vous disons que tout était prévu. Ils avaient prévu que nous serions devant cette cheminée, pressant nos mains sur ce bronze avec tous ces regards sur nous. Tous ces regards qui nous mangent. Ah! Bonjour, mes deux chères mesdames. Nous vous croyons beaucoup plus nombreuses. Alors, c'est ça, l'enfer. Nous n'aurions jamais cru. Vous vous rappelez? Le soufre, le bûcher, le grill. Ah! Quelle plaisanterie! Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. La même histoire, mais si deux personnes parlaient dans un français très familier. The same story, but if two people were speaking in a very informal French. Faster this time. Le bronze. Eh bien, voici le moment. Le bronze est là, on le regarde et on comprend qu'on est en enfer. On te dit que tout était prévu. Ils avaient prévu qu'on serait devant cette cheminée, pressant la main sur ce bronze, avec tous ces regards sur nous, tous ces regards qui nous mangent. Ah! Bonjour, mes deux chères mesdames. On vous croyait beaucoup plus nombreuses.
Alors, c'est ça l'enfer. On n'aurait jamais cru. Vous vous rappelez? Le soufre, le bûcher, le grill. Ah, quelle foutaise! Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. Conclusion. Ceci marque la fin de la 17e leçon. N'oublie pas de la répéter jusqu'à ce que tu puisses répondre facilement. Bonne semaine.